le centre Jean-Paul-Coste, c'est un centre social où on fait en même temps de la vidéo et en fait du théâtre. Et là on est venu au Festival d'Avignon pour voir des pièces de théâtre et en même temps les spectacles de rue. Alors là on est venu voir votre pièce de théâtre qui s'appelle Tchèfretéfretam. Tout d'abord, je voulais vous poser la question. Comment vous pouvez nous la présenter, en fait, la pièce? En quelques mots. En quelques mots. Monsieur, parlez, il vient de parler. Présentez votre pièce. Tu fais quoi, ça? En chanson? Cette année, ce soir, les personnages. On y va next. Alors ça c'est l'auteur. On a un travailleuse. En fait, le spectacle a commencé quand tous ces gens-là étaient des élèves à moi, parce que je suis prof de chant, et ils étaient tous mes élèves pour le chant. Et je regardais chacun d'eux et je pensais quel genre de personnage il peut jouer ce mec ou cette fille. Et tout simplement écrit pour chacun une chanson. Ça commençait avec leurs chansons, et qui autour de ça, après, ils ont tous développé, ils ont proposé des trucs, ils ont construit des dialogues, des situations entre eux. Et alors le noyau, c'était ma proposition, et après ça a grandi et le fruit est ce que vous avez vu. Comment vous avez eu l'idée de faire ces lieux? En improvisation. Il a donné l'histoire et puis après on a fait des improvisations et on est arrivé dans des situations. On a cherché le plus absurde. Ouais. Voilà. Cool. Qu'est-ce qui peut être absurde dans le désert? Une nonne qui se prend pour un extraterrestre. Ça c'est pas mal absurde. Est-ce que Dorothée Göborg est avec toi? Est-ce que Brigitte m'aime vraiment? Est-ce que Brigitte m'aime vraiment? Est-ce qu'on peut faire des plis sur Alpha Omega? C'est un bâtiment, un cocotier. Est-ce que c'est un